Je vais te tuer. Wow. Attendez, mais wesh! Mais c'était quoi ce bruit là? Il y a eu un bruit très très bizarre là dans la maison actuellement. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression que j'ai entendu une voix, c'était peut-être un cauchemar. Wow! Attendez les amis, le titan Speakerman est en train de parler également. Qu'est-ce qui se passe dans la maison là? Wow! Ok les amis, vous avez entendu, il y a eu une explosion. Wow, je viens de me réveiller là. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la maison actuellement? On va descendre dans le salon directement les amis et voir ce qui se passe. Normalement le titan Speakerman était en train de dormir dans le canapé. Mais attendez, mais j'ai pas rêvé. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais le titan Speakerman? Wesh! Mais c'est toi qui as fait exploser la maison là? C'est quoi ce délire? J'étais en train de faire mon grand-huit qui faisait vroom vroom. Et là, il y a une ombre, elle est venue sur le rail. Il y a eu une ombre qui est venue sur le rail et tu t'as vu, c'était qui cette ombre? Elle te ressemblait, elle était moche. Ok, bon les amis, c'est probablement la nonne. Moi, je ne l'ai pas vue puisque je dormais, mais vous, vous avez sûrement dû la voir. Ok, bon, le titan Speakerman, ça veut dire que là, actuellement, elle est proche de la maison. Viens, on va aller se réfugier au bunker. On va vraiment pas rester ici. En tout cas, les amis, si vous pensez que c'était la nonne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications. On va tout droit vers les 300 000 abonnés. C'est super important. Wow! D'ailleurs, j'avais pas vu, mais regarde, c'est quoi cette image là? Ok, ça y était pas ça avant. Mais attendez, mais c'est moi en train de dormir avec la nonne. Wesh, mais c'est quoi ce délire? Ok, ça va être... Enfin, c'est sûrement elle qui a dû poser ça. Ok, on va vite descendre au bunker, les amis. On sera beaucoup plus en sécurité. Parce que comme je le disais, ouais, actuellement, la nonne, je pense qu'elle est autour de notre maison et elle nous veut du mal. Vas-y, rentre dans l'ascenseur. Let's go, let's go. On va descendre. Ok, wow. Ça fait super flipper. Toi aussi, elle t'a réveillé, du coup, le titan Speakerman? Non, moi je dormais pas, j'étais en train de faire le grand 8. Ah oui, c'est vrai, tu faisais le grand 8. Wow, derrière, il y a eu quelque chose, tu l'as vu? Ok les amis, il y avait quelque chose. Je suis pas fou, il y a vraiment la nonne qui est autour de notre maison. Vas-y vite, on rentre dans le bunker, dépêche-toi. Ok, normalement ici on est en sécurité. En plus la porte, elle est ultra blindée les amis. Normalement elle ne peut pas rentrer ici. Bon, ce que je vais faire, le titan Speakerman, c'est que je vais m'équiper, je vais prendre une arme et je vais sortir du bunker, d'accord? Je vais essayer de l'attaquer. Faut vraiment pas qu'elle détruise ma nouvelle maison. Hop, on va prendre également des balles les amis. Hop, des munitions avancées. Et on va même prendre des pommes dorées, voilà, comme ça on est sûr que si elle nous attaque, on va pas avoir mal. Non, non, toi tu restes ici. Non, tu restes à l'intérieur, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est parti les amis. Oh là là, il s'est téléporté en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce délire? Ok les amis, le titan Speakerman il est sorti. J'espère qu'il va rien lui arriver. Attendez, on va remonter l'ascenseur. Bon, je vais prendre mon arme en main. Je vais d'ailleurs manger une pomme dorée tout de suite. On sait jamais. Hop, ok, let's go les amis. On avance dans la maison tranquillement. On va fouiller un petit peu toutes les pièces. Ok, dans cette chambre là, il y a l'air d'avoir personne. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a au juste? Ok, j'ai entendu un bruit bizarre là. Wow, ça me rassure pas du tout les amis. J'ai super peur. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à l'étage du dessous. On va tout simplement remonter au rez-de-chaussée, voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Ok, dans le salon il n'y a absolument rien. Dans la chambre ici non plus. Oh, ça me fait super flipper les amis. Je suis pas rassuré du tout. Ok, on va essayer de fouiller toutes les pièces. Ok, j'ai entendu une fumigène qui s'est claquée là. D'ailleurs le titan Speakerman il est où? J'ai plus de nouvelles, tu m'entends le titan Speakerman? Ok les amis, il n'y a aucun bruit de sa part. J'espère qu'il s'est pas fait kidnapper par la nonne. Ok, il n'y a personne dans la salle de bain non plus. Wow, c'est très très étrange ce qui se passe là. Je ne comprends pas du tout les amis. En tout cas, mettez un énorme pouce bleu. Voilà, si vous pensez qu'on va retrouver le titan Speakerman en vie. Ok, il y a une fumigène qui s'est éclatée au-dessus. Mettez 500 pouces bleus les amis, c'est très très important. Ok, bon, il se passe des trucs très très étranges dans la maison hein. Là, j'ai très très peur. Ok, wow! Attendez, il y a une sonnette! Il y a une sonnette qui sonne! C'est la sonnette de ma porte d'entrée, je crois, les amis! On va aller voir qu'est-ce qui se passe à la porte d'entrée là! Hop, ok, bon, d'ailleurs, il a foutu un peu le bazar avec son rail là, son grand 8, le titan Speakerman! Ok, il y a une fumigène! Wow! C'est quoi ce délire? Il y a un coffre qui est apparu devant chez moi! C'est quoi ce truc?
Ok, on va l'ouvrir, les amis. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère qu'il n'y a pas la tête découpée en deux du Titan Speakerman, les amis. En tout cas, voilà, je pense que pour sa disparition, la nonne y est forcément pour quelque chose. Hop, ok, on ouvre le coffre. Alors, il y a un livre à l'intérieur. On va lire ce qu'il y a écrit dedans, les amis. Alors, 365, 101, moins 20. Rends-toi à ses coordonnées si tu veux retrouver Titan Speakerman. Ramène également 8 stacks de diamants, la nonne. Et d'ailleurs, il y a une explosion là qui va péter. Ok, wow. What? Mais c'est quoi ce délire, les amis? Je ne suis même plus en sécurité dans ma propre maison. Ok, bon, on va devoir aller retrouver le Titan Speakerman. Du coup, il s'est fait capturer par la nonne, c'est bien ce que je disais. Et du coup, elle m'a quand même laissé les coordonnées, mais il faut que je lui ramène 8 stacks de diamants. Ok, bon, ça fait un petit peu cher hein, pour le Titan Speakerman. Mais bon, les amis, voilà, ça reste mon ami. On va aller le chercher, les amis, et on va essayer de le délivrer. On va se rendre aux coordonnées juste après. Du coup, c'est parti. Ah, ok, il faut que je fasse remonter l'ascenseur là, par contre. Hop, on va aller chercher les stacks de diamants. Et après, on va se rendre aux coordonnées, les amis. Hop. En plus, je pense que je n'ai même plus de voiture. La nonne a dû la détruire. Du coup, on va devoir y aller à pied. Par contre, je connais à peu près l'endroit où c'est. Je crois que j'aurais même pas besoin de GPS. Ça tombe bien, les amis. Hop, let's go. Ok, on va remonter et on va taper le sprint de notre vie là-bas, illico presto. Parce que voilà, il doit être sûrement en danger à l'heure qu'il est là. Hop, let's go, let's go, let's go. Attendez les amis, je viens d'avoir une idée. Normalement, voilà, j'ai mes petits jet skis qui sont encore là. Ok, nickel, ils sont là. Bon alors, on va prendre le jet ski les amis. Et c'est parti, on va se rendre aux coordonnées. Bon, j'espère que la nonne n'est pas encore actuellement dans ma maison. Mais voilà, si elle m'a mise des coordonnées dans un coffre, c'est qu'elle doit être là-bas actuellement. Ok, bon, je passe pas trop sous le pont là, j'ai une grosse tête. Ok, on va faire marche arrière, on va rouler prudemment. Hop, let's go, let's go. Ok, alors on va accoster juste ici les amis. Et normalement, si je me trompe pas, l'endroit où est pointé les coordonnées, c'est l'endroit juste là-bas. Ok, bon, ça va nous faire un petit peu de marche. Mais voilà, hop, c'est parti, let's go. Ok, bon, comme je vous l'ai déjà dit les amis, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, voilà, si vous pensez qu'on va réussir à sauver le Titan Speakerman. Si on pourrait atteindre les 500, ça me ferait super plaisir. Hop, et d'ailleurs voilà, on parle, mais on est déjà bientôt arrivé à l'endroit. On va faire très très attention, j'aurais peut-être dû prendre des pièges et d'autres armes les amis. Mon minigun ne va peut-être pas suffire, mais en tout cas voilà, j'ai déjà l'argent. Je pense que ça, voilà, ça va la calmer déjà la nonne. Hop, let's go. Ok, on avance. C'est quoi ce délire les amis? Ok, on dirait une sorte de grotte. Wow, derrière il y a du sang par terre là. Ok, bon, ça ne fait aucun doute, ils sont clairement dans cet endroit. Ok, j'entends le Titan Speakerman les amis. On a juste à suivre les traces de sang dans la grotte et ça va nous mener à lui, je pense. Oh non, je me suis coincé dans une toile d'araignée comme un imbécile. Ok, c'est bon, j'ai réussi à ressortir. Hop, let's go, on avance, on continue. Wow, il y a des squelettes par terre. Ok les amis, on avance. Wow, il y a la nonne juste ici. Ok. What, elle fait super flipper, regardez, c'est la première fois qu'on la voit d'aussi près, je crois. Ok, attendez, on va aller vers le Titan Speakerman. Oh, ça va, elle t'a pas fait de mal. Oh, merci, la pot de burger. Ok, mais c'est quoi tout ce sang? C'est ton sang à toi, là, par terre? Oh, oui, elle m'a coupé le bras. Wow. Bah, t'as encore ton bras, t'as un gros bito, wesh. T'as encore ton bras. Bon, à mon avis, elle a dû lui mettre des coups, voilà, de couteau, j'en sais rien. En tout cas, bon, la nonne, écoute-moi bien, tu m'entends là? Ouais. Wow, comment elle fait flipper les amis. Bon, j'ai ramené les 8 stacks de diamants que tu m'as demandé. Par contre, si je te donne ça, tu libères le Titan Speakerman, d'accord? What, c'est quoi ça? Ok les amis, elle nous a sorti un couteau du futur. Bah non mais c'est pas du tout drôle, le Titan Speakerman, t'étais à deux doigts de mourir si je serais pas venu te libérer, hein, je te rappelle. Bon, hé, par contre, pas de coup foireux à la nonne parce que j'ai une arme, hein. Si jamais tu essayes de m'arnaquer ou quoi que ce soit, ça va très mal se passer, d'accord? Ok, bon les amis, j'ai pas trop confiance, mais bon, on n'a pas le choix, on va devoir lui donner les stacks de diamants. Wow, elle a disparu les amis. Wow, elle est juste derrière moi. Ok. Bon, tiens la nonne, vas-y, je te donne tous les diamants. Je sais pas qu'est-ce que tu vas faire exactement avec ça, mais voilà, normalement le compte est bon, il y a 8 stacks pile. Bon, vas-y, délivre mon ami maintenant. Oui, d'accord. Wow, sa voix est ultra cringe les amis, j'ai très peur. Ok, j'espère qu'elle tient sa promesse. Oh,
Ok, c'est bon. Le Titan Speakerman a été délivré. Bon, viens vite. Je lui ai payé la rançon maintenant. On part vite d'ici parce que voilà, je sais pas de quoi elle est capable. Ok, tu ne vois rien pour l'instant derrière. Elle s'est téléportée. Wow. Aïe, elle nous attaque, elle nous attaque. Ok, les amis, c'était un piège. Bon, elle a quand même tenu sa promesse. Oh, mais maintenant, elle peut nous tuer apparemment. Ok, vite, 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 vite. Vas-y, le Titan Speakerman, on se dépêche. T'as une idée de où on pourrait aller se cacher en vrai? Tu veux aller te cacher chez moi, mais c'est la pire idée. Surtout pas chez toi. Ah, surtout pas chez moi. Ouais, par contre, le problème, les amis, c'est que voilà, il faudrait que je récupère d'autres armes et aussi pour le Titan Speakerman pour qu'il puisse se défendre. Du coup, j'ai pas le choix, je vais devoir passer chez moi. Ok, vas-y, suis-moi vite, le Titan Speakerman. Dépêche-toi. Let's go, let's go, let's go. Ok, je vais passer chez moi. C'est très dangereux hein, ce que je fais. Voilà, normalement, je devrais peut-être pas faire ça. Mais bon, on n'a pas le choix. Je vais aller au bunker. Eh, hey, attends, ok, elle est derrière. T'es où, le Titan Speakerman? Ok, eh, hey, c'est quoi? Attire là en dehors de la maison pendant que je vais chercher toutes les armes. D'accord. Je sais pas, cours le plus loin que tu peux. Hop, ok, c'est bon. Lui, il est en train de la distraire. Et du coup, bah nous, maintenant, on peut tranquillement rentrer à l'intérieur, aller chercher au bunker plus d'armes. Et comme ça, on pourra potentiellement se défendre. Ah oui, j'avais oublié qu'ici, c'était détruit. On va faire très très attention. Hop, je vais poser un petit bloc là. Ok, let's go, let's go. Alors, le bunker, les amis, normalement, il est vers là-bas. Hop, eh ben vraiment, c'est devenu un labyrinthe, ma maison. Vite que je reconstruise tout ça. Hop, ok, c'est bon, on est plus très loin. L'escalier, enfin l'ascenseur plutôt, est juste là. Hop, on descend, les amis. Alors, par contre, je ne sais pas du tout quelle arme je vais donner au Speakerman, ni même si elles seront efficaces contre elle. Mais vous savez quoi, les amis, on va tout prendre, même les bazookas. On va prendre des grenades, là, c'est vraiment critique. On n'a pas le choix. Ok, hop, on va prendre des pièges également. Ok, je pense que là, on est plutôt bien armé. Allez, let's go, c'est parti. On remonte, les amis, rejoindre le Titan Speakerman. J'espère qu'il sera pas mort entre temps. Hop, ok. Hop, je suis arrivé à l'étage. Wow, j'entends des bruits très très bizarres là. Ça me rassure pas du tout, les amis. Ok, on va le rejoindre. Il est où là actuellement? Hop, ok. Je sais pas s'il est encore autour de la maison, les amis. Le Titan Speakerman, tu m'entends? T'es vers où? Je suis dans le garage à Descartes. Dans le garage à Deka. Oh non, les amis, il va ramener la donne chez Deka carrément en plus. Oh là là, il est complètement bête. Hop, bon, vas-y, on va le rejoindre. Si je me trompe pas, son garage est là. La nonne, elle est encore autour de toi. Ok, là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a volé une voiture de golf. Bon, vas-y, c'est peut-être notre moyen de nous échapper. Vas-y, vite, 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 roule le plus loin possible là. Ok, pour l'instant, je ne vois pas la nonne autour aussi. Elle est derrière, vas-y. Mais il avance pas là, c'est quoi cette voiture? Oh là là, t'aurais pas pu voler mieux chez Deka en vrai. Il y a des voitures super rapides. Ouais, bon, la quatrième, elle est très très longue. Bon, ça va, la nonne, pour l'instant, je ne la vois plus. Elle aussi, elle doit galérer à nous suivre. Ou peut-être, voilà, qu'elle se téléporte. Et là, d'un moment à l'autre, elle va se téléporter sur nous. Oh, ok, elle est juste en face. Bon, vas-y, viens. Oui, bah, elle avance pas trop, ta Golf GTI. Vas-y, viens, on descend. On va continuer à pied. Je pense qu'on ira beaucoup plus vite, le Titan Speakerman. C'est peut-être toi qui est trop gros. Wow, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'est garé complètement dans un arbre, mes amis. Il fait n'importe quoi. Bon, vas-y, let's go. Attends, je vais essayer de lui tirer dessus. Tiens, je te donne une arme. Le Titan Speakerman, essaye de la faire fuir. Ok, regarde là. Rien que je parle d'arme, elle commence un petit peu à avoir peur. Hein. Elle est partie où là? Tu la vois? Elle vient là, la vieille. Ok, fais gaffe parce qu'elle est peut-être actuellement invisible. Mais elle va se téléporter sur nous d'un coup. Aïe! C'est toi qui m'as tiré dessus. Ok, elle est là-haut. Vas-y, attaque-la. Ok, vite. Ok, les amis, je sais pas si ça marche ou pas. On va jeter des grenades étourdissantes aussi. Ok, elle était juste là. Elle a bougé. Wow. Ok, elle est derrière le Titan Speakerman. Le Speakerman, elle l'attaque. Ok, vas-y, tire-le dessus. Oh, ok. Elle s'est retéléportée. Bon, je crois que les balles, ça lui fait aucun dégât. Vas-y, viens, on bouge. On va essayer de trouver une cachette. T'as une idée de où on pourrait aller se cacher? Ouais, bah loin, c'est pas une cachette. Ça m'arrange pas trop de me dire loin. Mais je sais pas, tu vas dans un magasin. Tu me saoules pas là. Tu veux aller dans un magasin? Ok, bon, je suis pas sûr que c'est la meilleure idée. Mais non, pas un vendeur de glace, c'est nul. Bah, on s'en fout, vas-y, viens, on va aller monter à l'étage. Par contre, comment on fait là? Attends, viens, t'es parti où? Oh non, les amis, on s'est reséparés. Oh, mais il est vraiment bête, ce Titan Speakerman. Hey, mais bon, je suis caché. Oh, d'ailleurs, regardez ici, il y a un petit balcon, on peut tout voir d'ici. Bon, pour l'instant, je ne vois pas la nonne. Le Titan Speakerman, normalement, est parti au fleuriste. Je crois que le fleuriste est juste. Non, je suis là. Wesh, mais comment t'as fait pour atterrir ici d'un coup? Bah, je suis passé par la porte, et elle aussi d'ailleurs, apparemment. Wow!
Ok, elle est juste là. Bon bah les amis, comment on fait là? Vas-y, casse le petit barreau juste ici. On va sauter du balcon, c'est pas grave. Aïe, vas-y, viens, on bouge. Ok les amis, mais comment elle fait pour nous retrouver tout le temps comme ça? Elle est giga forte la donne. Je sais pas si tu t'en souviens, il y a une vidéo qu'on avait tournée il y a pas très longtemps d'ailleurs. Je vous invite à aller voir les précédentes vidéos avec la donne. On avait trouvé une cachette dans une muraille. C'est peut-être une bonne idée, non? Elle était éclatée au sol, ouais, la elle cachette. Était éclatée, mais bon, plus c'est gros, plus ça passe. En vrai, on peut la retenter. Elle nous suit encore là? Ok, elle est derrière. L'entrée de la muraille était quelque part ici, je crois. On va essayer de faire le tour. Vas-y, viens, on fait le tour du bâtiment et comme ça, on va pouvoir l'esquiver. Hop, let's go, tu me suis? Ok, il est encore derrière. Bon, normalement, elle est également derrière les habits. Hop, ok, c'est bon. Le plan fonctionne à merveille. Et ensuite, juste là-bas, on va tourner à gauche. Ok, je l'ai vu, elle est là-bas maintenant. Elle est partie chercher ailleurs. Vas-y, vite. Dépêche-toi. Ok, on monte. On va se réfugier dans la muraille, les habits. Hop, attendez, c'était à quel étage déjà? C'était encore au-dessus? Non, c'était pas ici. C'était là, je crois. Attends, vas-y, viens. Ok, on va longer toute la muraille. Hop, ok, on va rester ici un petit moment. Tu vois quelque chose pour l'instant, le Titan Speakerman? Non, faut l'appeler. Non, appelle-la pas, mais il est complètement bête. Vas-y, viens, suis-moi. Oh non, il l'a appelé, elle est venue du coup. Ok, bon bah tant pis, je le laisse dans son problème, hein, les amis. Moi, il faut que je m'en fasse, hein. Mais viens, je suis en bas de la muraille, là. Oh, d'accord, j'arrive là. Vas-y, descends. Ok, c'est bon, je te vois, je suis derrière. Mais vas-y, vite, dépêche-toi, on va trouver notre cachette. Mais t'es vraiment bête, ça te fait rire en vrai ce qui se passe là actuellement, le Titan Speakerman? Non, arrête de dire que je suis bête, mais on a deux doigts de mourir et toi tu fais n'importe quoi. Enfin bref, vas-y, on va trouver une dernière cachette. Et là vraiment, il faut pas qu'elle nous trouve. Sinon, clairement, voilà, ça va devenir très très compliqué. Ok, elle est encore derrière. Bon, la petite voiture, elle a été détruite, on peut plus la réutiliser. En vrai, ça te dirait qu'on va se cacher chez Deka? Allez, vas-y, c'est parti. Bon, je sais pas s'il a des cachettes chez lui, mais voilà, je ne pense pas qu'elle connaît la maison. Je sais pas s'il a des cachettes chez lui, t'es malade, toi, bien sûr qu'il a des cachettes. Ah, mais pourquoi, t'as déjà été chez lui, toi? Moi, je suis un monstre qui fait la vidéo de tous les youtubeurs. Ok, bon, vas-y, bah, tu montreras alors. Bon, par contre, la donne est encore derrière. Attends, je vais essayer de la repousser un petit peu. On va recharger l'arme, les amis, parce que bon, les balles, ça lui fait pas de dégâts, mais ça la chatouille un petit peu, j'ai l'impression, et du coup, elle recule à chaque fois. Ok, regardez, les amis, elle est partie encore une nouvelle fois. Vas-y, vite, c'est notre moment là. Vas-y, hop, let's go, on rentre chez lui. C'est parti, t'as intérêt à me trouver la meilleure des cachettes qui existent, hein. Ah, tu vas voir, ça va être la plus belle cachette du monde. Ok, bon, j'ai plus trop confiance en toi, mais vas-y, je te suis, let's go. Bon, déjà, on est encore à l'extérieur, ça c'est mauvais signe. Hop, ok, là on rentre dans la villa de Deka. Elle a l'air gigantesque, hein, sa villa, c'est la première fois que je viens chez lui personnellement. Ok, là il m'emmène du coup dans un sous-sol, les amis. Je pense que voilà, ça sera plutôt pas mal en vrai. Ok, il y a un aquarium géant carrément, mais wesh, ah, il a des talents, hein, Deka, il vit, hein. Eh ouais, il se fait la moula, hein, mais pas sur YouTube. La grosse moula, hein. Ok, hop, bon, on est bientôt arrivé à sa cachette, là. Bienvenue dans l'arbre sacré. What? Ok, il y avait carrément un passage secret dans le mur, les amis. Oh, mais là, c'est sûr que la nonne ne nous trouvera jamais. Ok, hop, let's go, on descend tout en bas. Et je pense qu'on va y passer la nuit ici. Ok, bon bah là clairement, ouais, je pense que ouais, c'est sûr et certain, la nonne ne pensera jamais à venir ici. En tout cas, bien joué, hein, le Titan Speakerman a trouvé une bête de cachette. Ok, bah viens. Eh, il y a carrément un petit appartement ici, j'ai l'impression. On va se poser ici tranquillement pour la nuit. Et en tout cas, on a réussi à échapper à la nonne. Bon, par contre, elle t'a fait quoi comme dégâts, la nonne, au juste? Alors, elle m'a tapé. Après, elle m'a tapé. Ok, mais c'était ton sang qui avait par terre dans sa grotte? Non, c'était mes clairs. Bon, les amis, je pense que ça devait être sûrement le sang des squelettes, voilà, qui se situe également dans la grotte. Dans tous les cas, dans les prochaines vidéos, on va enquêter sur ça, parce que je crois que c'est devenu son nouveau repère, les amis, et elle a pas ramené le Titan Speakerman au hasard là-bas. En tout cas, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche des notifications, comme j'ai dit en introduction. On va tout droit vers les 300 000 abonnés, c'est super important. Mettez également les 500 pouces bleus, parce que oui, on a réussi, les amis, à sauver le Titan Speakerman, malgré que complètement débile, il nous a trouvé une bête de cachette, ainsi qu'un petit commentaire pour me dire si vous voulez plus de vidéos encore avec la nonne, ça me ferait également très plaisir, et un grand merci aux acteurs ayant participé à cette vidéo. Il y avait tout simplement Deka et Com, leurs chaînes seront en description. C'était Razon, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut.